Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue les potos et les potes pour le début de Anoli sur PC. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un jeu que je vous avais présenté, rappelez-vous, il y a quelques semaines. On avait testouillé la démo et je vous avais dit à la fin que franchement, ce serait trop de la balle que de testouiller la version finale. Et ça y est, c'est là. Pour rappel, c'est un jeu d'horreur édité par Hook, développé par Duality Games. Il est sorti le 20 juillet 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Allez, on y va, on lance la game et on va avoir la confirmation, oui ou non, si vraiment ce jeu fait peur. Blablabla, blablabla, oui. J'ai dit oui. Quand je dis oui, c'est oui. C'est le grand jour. Gabriel et moi allons nous enfuir. Et j'ai pas eu le temps de lire le reste. Imagine a world in which all are free. Free of pain, free of hunger. And above all, free of death. Think of a world in which you and your loved ones could live for eternity. The spring of eternity invites you to a place where your emotions will shape a new, better reality. Together we can create a place in which, free from care, we will save our souls. According to our prophecies, our believers patiently waited for 312 years for the next coming of the prophet. A holy man that fortunately has come to us now to share the truth about our lives with us. And just as the first light beams irradiate the darkness of the night, so you can feel the change. One that will bring you out of your numbness. Numbness that you felt your entire life. Our high priest, our prophet. It wasn't by chance that he came here now. He will deliver us from fear. He will deliver us from death, which is not real. In return, we will receive life in the eternal city, which we will shape together with the power of our emotions. Let us feel together the power of the holy fire, one that purifies, a fire in which, if you really believe, will save all of us. Come to the spring of eternity. Come and open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Ok, ça y est, on peut jouer. Par contre, pareil que dans la démo, et j'aurais dû le faire, option, on va aller au niveau de la sensibilité, et schlac. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ici, qu'est-ce que nous avons? Des billets de train. Billets pour le premier train du matin. D'accord. Ensuite. Already packed. Good. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. On voit notre corps. Et ça, c'est plutôt pas mal. Aux principaux intéressés, mes frères et sœurs, lorsque vous trouverez cette lettre, je serai parti avec mon fils depuis longtemps. Je suis navré de vous blesser de la sorte après tout ce que vous avez fait pour nous. Ces derniers jours, j'ai été tiraillé par cette lutte spirituelle et en suis arrivé à la conclusion que je devais quitter le cercle proche pour l'instant. J'espère retrouver la paix et j'espère que je pourrai redevenir votre sœur. Mais je dois agir dans l'intérêt de Gabriel. Il est toute ma vie et je pense qu'il vaut mieux pour lui que je parte. Puisse la source éternelle vous abreuver cordialement, Dorothea. Un formulaire d'abandon de parentalité. Ouais, ouais, ouais. It is time.
ou pas. Ah. Bon, déjà, au moins, le truc qui est cool, c'est qu'on a quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait eu dans la bêta. Dans la démo. Parce que dans la démo, en fait, on avait une succession de différentes scènes à différents moments de l'histoire. Et là, on a vraiment... Bah, oula, waouh! On a vraiment le tout début. Comme ça, on va mieux comprendre ce que va raconter le jeu et les origines de tout ça. Ah oui! Tout à fait. Par ici, ouais non, c'est pas la peine. Allons tout droit. Ah, où ont-ils emmené Gabriel? Je dois le retrouver. Et là, tu penses quoi? La même chose. Et là, toujours pareil. C'est que c'est grand, dis donc! Y'a quelqu'un? To all Spring of Eternity civilian employees, you are legally bound to leave the building complex before the 4 p.m. This is the official announcement of the Prophet's office. Non. Non, je ne peux rien faire avec ça, je ne peux rien faire avec le téléphone, mais là, qu'est-ce qu'on a? À tous les membres! L'accès au dernier étage du bâtiment de la source de l'éternité est interdit à tous, sous peine d'excommunication. Sur ordre du prophète, toute personne qui perturbe l'ascension sera arrêtée et interrogée. Le bureau de la sacristie. C'est chaud. Ah, non mais vraiment, quand tu vois ce genre de visage, tu te dis que tu es vraiment dans quelque chose de tout à fait safe. Ah, mais je peux courir en fait. Mais j'espère que le jeu sera un peu mieux optimisé par rapport à la démo. De ce que je vois, ouais. Même si on a eu quelques ramages. Vous savez comment ça se passe sur PC. D'abord, voilà. Et ensuite, éventuellement, ça peut s'arranger. J'ai bien dit éventuellement. Taille du tableau. Béni soit le prophète et la révérente mère. La révérende mère. Merde, je vais y arriver. Ce jour tant attendu, le jour de l'ascension, est enfin arrivé. Comme promis par le prophète, il associera aux prophètes qui l'ont précédé et tentera d'atteindre la cité sacrée. Il est prêt à se sacrifier pour exaucer notre rêve d'un monde ressemblant à celui de l'au-delà. Les secrets du rituel de l'accès à la connaissance n'étant connus que de nos dirigeants, nous, humbles serviteurs et croyants, attendons un signe de notre prophète. Moi, je pense qu'on va y aller. Hein. On est sûr et certain qu'on ne peut rien faire avec cette radio. Non! Et ici, est-ce que j'aurais pas raté un truc? Non! Ah! Je veux m'affranchir du temps et de l'espace, de la vie et de la mort. Franchir le seuil de la cité qui perdure dans l'éternité. Trouver ce qui a été perdu, retrouver ce qui n'est plus, abandonner les illusions dont je drape. Le feu purifie l'âme et brise les chaînes de la réalité. La douleur, les regrets et le sacrifice ouvriront la voie. Mais pour entrer, c'est le prix ultime qu'il nous faudra payer. Livre de prière. Ah, bah écoutez, quand faut y aller, faut y aller.
Get her! Don't let her interrupt the ceremony! No! Gabriel! No! This won't change anything. What you've interrupted here, I can finish it on the other side. In the Eternal City. We will ascend as you watch your child burn. No! Do not fear. Do not despair. Your son is alive. His body may be lost, but his soul still lingers, and he is still in danger. There is time, though. I will teach you how to find him. Come with me. Chapitre 1, monde normal. Elle a dit qu'il y avait un moyen de retrouver mon fils. Un mois plus tard. Ah, mais c'est ici qu'on avait commencé dans la démo. Allez, on y va. Schlack. Someone from the spring put up Gabriel's obituaries? How dare they? Donc là, on a quoi? Je dois arracher ces faux avis de décès avant de partir. Mais pour partir où? Je me rappelle très bien où c'est que c'est. Hop! Ici, on a une espèce d'hôtel. Regardez-moi ça. And to think that not so long ago, I believed every word they said. Ouais. Et maintenant, je vous cracherai bien à la gueule. par ici, oui, non, ça va se savoir. Non, et derrière. Que dalle. Pipiloupapou. Ah oui, c'est vrai. Regardez ça. Je vous l'avais déjà dit, hein, pour ceux qui ont vu... la VOD sur la démo, mais le jeu est pas vilain. Hein. Oui, sans les mains. Oui. Trop de la balle. The spring was supposed to keep us together, not tear us apart. Ici, on a qui? On a Michael Wozniak qui a disparu. Et on a également un chat qui s'appelle, je ne sais pas, est-ce que c'est écrit, Is Mini, c'est ça, non? Je ne sais pas. Attends, maintenant, on va checker par là. Je crois qu'il y en a une ici, tout à fait. How dare they even mention you after what they did?
8 ans. Je ne peux plus attendre. Je dois aller dans l'appartement de mon papa. It begins. Le 6 juin 1976. Donc ouais, on est vraiment dans le passé là. Je ne savais pas trop à quelle époque on était lorsque j'avais fait la démo. Parce que j'avais pas regardé notamment ceci. Mais ouais. Moi j'avais dit qu'on était, je crois bien me souvenir, que j'avais dit qu'on était peut-être dans les années 80. Et on n'est pas loin. Et en fait on est fin 70. Bah alors mon petit gars, tu joues tout seul dans le sable? Mesdames, est-ce que vous trouvez ça curieux qu'une femme comme moi reste là plantée devant vos enfants à les regarder? Non? Tu me diras, j'aurais été un homme, j'aurais déjà eu les flics au cul. Allez, on entre. Ça va pas être pratique pour le facteur, même pour les invités. C'est quoi ce bruit qu'on entend en fond? Ou alors il y a des travaux, ouais c'est ça. Ah, le bruit qui va nous pousser à entrer tellement c'est... Ah! I thought that when I moved to the spring, they would change my address. Guess not. Sujet Dorothea Lind, ou Lind, bureau du procureur, numéro d'enregistrement, notification, le secrétariat vous informe par la motion publique numéro que le bureau du procureur a ouvert une enquête sur la localisation du témoin durant les 2 semaines précédant sa visite à l'hôpital. De plus, tant que l'audition n'aura pas eu lieu, le témoin Dorothea Lind n'a pas le droit de quitter la cité pendant plus de 12 heures. Une fois livré à l'adresse de résidence, la notification du bureau du procureur est considérée par la loi comme livrée à la personne concernée. Relatif à la patiente Dorothea Lind, dans le registre de l'hôpital inscrite à l'origine sous le nom de Madame X, s'est révélé par la suite être Dorothea Lind. L'avis de disparition et la documentation liée ont été effacés des archives ou fusionnés au dossier existant de la patiente. Archives de l'hôpital concernant l'état des patients. Documents d'admission, radio du crâne, des bras et du torse, traitement pour traumatisme crânien, tension artérielle. Résultat de l'analyse de sang et de l'hémogramme. Référé à un spécialiste a été fusionné. Donc ma chambre, c'est 18. Ma chambre. Mon appartement. Ou l'appartement du papounet plutôt. Regardez-le. Il fait semblant de peindre. En fait, son pinceau est sec. Il n'y a pas de peinture. Il n'y a que dalle. Il est payé à l'heure, hein, donc ça se comprend. Pip, pili, pip, pa, pou, pou, pilou, pip, para, pa, pip, pou, pip, para, pip, pili, bip, babou, daroudam. Et là, regardez qui c'est qui est devant nous! Cette maman chelou! On ne savait pas du tout qui c'est et d'où elle venait et pourquoi et comment et en fait elle était là depuis le début. Heureux. Oui, c'est vrai. Why did you make me come back here? Only here will you find what you need. Tell me, how going through my father's stuff could help me find my son? Your father believed in the blessed teachings more than you know. Belongings, yours and Gabriel's, are the key here. Find your father's journal. And then what? Accept that death can take different forms. Shouldn't come back here. Kate's gone. Father's gone.
There's nothing left for you here. That is my business, thank you. Oui, c'est ça. Occupe-toi de toi-même et laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Super. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des raviolis! Ah non, pas encore! Écoute, on n'a pas beaucoup d'argent, hein. Les raviolis ça coûte pas cher, c'est bien. Ah oui, d'abord. Voilà. Le double de la clé de l'appartement devrait être dans le coin et elle est juste là. Youplaboum! Coucou, c'est moi! Je suis ici pour le journal. Où est-ce que papa l'a caché? Gabriel's room. I can't. Maybe later. Ah! Vous avez vu ça un petit peu? Ouais, c'est franchement bien détaillé, hein. Ça s'est pété. Ah, un pinceau. He was a weird man. But I guess he loved his grandson in his own way. Bla 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 bla, voilà, on va peut-être pas lire non plus le descriptif du pinceau. Et c'est le pinceau du papa, il est composé de 10 000 poils de je ne sais pas quoi. Attends, la chambre, on va y aller après. Ah oui, c'est vrai, je peux boire, mais on ne va pas boire. Un petit peu d'air, ça fait pas de mal. D'accord. Cette photo a été prise bien avant la naissance de Gabriel. Papa nous avait emmenés, maman et moi, en vacances à la mer. C'était le bon vieux temps. Ma mère me manque tellement. Tout serait différent si elle était en vie. Dans la cabine à Nicker. Ah oui, c'est en face. Voilà, c'était juste pour vous montrer que ça marchait. Comme je ne sais pas si c'est copyrighté ou pas. The Republic. Un album. Un concept album rare de jazz acheté par mon papa. Je ne le supportais pas enfant, mais la douceur du saxophone et les notes relaxantes ont fini par me plaire. Il m'aide à m'endormir lors des journées difficiles. C'est le premier album que j'ai acheté quand j'étais petite. Quelque chose dans la couverture et les doubles lettres m'a séduite. C'est drôle, je ne l'ai jamais écouté en entier. Quelque chose dans les derniers morceaux me terrifie toujours aujourd'hui. Non. Ah oui, c'est vrai. A month has passed since the greatest tragedy of recent years. The fire of the headquarters of the Spring of Eternity, which took the lives of 20 people occupying key positions in the organization, including the most important one, the Prophet. All the faithful place flowers and light candles in their windows, praying for the victims to pass on peacefully to the true kingdom. Ok. Bon, maintenant, on va aller dans la chambre. Ouais. Dad's workshop. Eh ben non, c'est fermé. I should search the living room first. Mardi dernier, le complexe principal de la source de l'éternité a pris feu. On y était. De plus en plus de morts ont été retrouvés dans les décombres au fil de la nuit. C'est une grande tragédie qui s'abat sur la ville.
Son plus grand symbole a été dévoré par les flammes, brûlant dans l'obscurité. On ne sait encore rien des origines de cet incendie. Nous n'avons aucune nouvelle du prophète, et nous ne savons pas s'il est encore en vie. De nombreux fidèles se rassemblent près du complexe pour aider les secours. Certains survivants ont été transférés à l'hôpital Saint-Luc. Je détestais cette chose. Le cliquetis constant, l'odeur du gaz et le parfum permanent des cigarettes. Certains jours, le seul bruit qui sortait de son atelier était ce foutu cliquetis. Au moins, on était tranquille. Rien dans le cabinet, peut-être dans son atelier. Mom's photo. Seems like you kept it after all, you old liar. Une vieille photo de ma maman, quand elle était plus jeune, je me souviens à peine d'elle comme ça. Il y a un truc aussi que je peux faire, c'est ça. Je peux me bourrer la gueule! Hello, Dorothy. I knew you'd find this tape sooner or later. I hope my disappearance didn't make you too sad. I wish I could explain myself, but I don't want to add to your burdens. I've been wondering if you hate me, Dorothy. After all, you wouldn't even be living there if it weren't for our fights. I've been ruminating on my faith lately. Maybe I am to blame. Oh là là, non mais... Quel pochetron. Vas-y. Il cachait toujours un double de la clé de son atelier quelque part dans la maison. Est-ce que là maintenant c'est ok? Oui, c'est ok! Son troisième anniversaire. Je me rappelle à quel point il était aux anges lorsque les autres enfants sont arrivés. Après le gâteau, ils ont joué pendant des heures à s'inventer de nouveaux jeux et des personnages. Les semaines qui ont suivi, il ne parlait que de sa fête. Une des rares photos où il est réellement heureux. Oh. C'est mignon. Oui. D'accord. Ah. Tac. Alors, s'accroupir, c'est C. Et maintenant... Mais à quoi ça sert de faire ça? Ah oui, d'accord, ok. Hop. It's good. Pas mal la petite peinture murale. Bon, par contre... là ici, ça fait très joyeux, mais alors par contre, là, les tableaux, c'est d'une noirceur. J'espère que le journal est dans son atelier. Ben, j'espère aussi. Ici. Non. Gabriel's hair. Dad made a thing of cutting it himself. Now I'm glad he did it. It's the last piece of my son that's left. La dernière chose que je voudrais brûler. Mais si sacrifier cette partie de mon fils me donne une chance de le ramener, quel qu'il en soit ainsi, je chérirai mes souvenirs de lui jusqu'à ce que nous soyons réunis. Ouais, mais tu l'as pas pris? Dad's final work. No. I don't want to look at this. D'accord. Y'a pas de soucis. Wow. Allez.
Alors attends, comment ça se met? Ah bah comme ça. C'est aussi simple que ça. So this is his journal. These pages are filled with notes on rituals, crossings, visions. What was this madman up to? Here, the last page speaks of a ritual of passage. To enter the Eternal City is to sacrifice one's memories, one's past. Three objects, three tokens of three relationships are to be sacrificed. Trois éléments sont nécessaires pour le rituel. C'est... Cet appartement est rempli de vieux souvenirs. Oui. Tout à fait. Que dois-je faire? Ah! Attendez. La mèche? Yes. Maintenant... Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah! D'accord. Ici. Oui, non, non. Ah, peut-être quelque chose au gamin? Ben non. Une photo, éventuellement? La photo de la mère? Yes. Là, le briquet? Non. T'es sûr? Non. Oui? Non. Bah, je vois pas trop. Ah! Tout à fait, il y a plein de photos, on est d'accord. Et je ne peux rien faire avec. Peut-être dans la salle de bain? Là, ici. Oui, mais non. Ça? Bingo! On peut y aller! Non, c'est là. With this, I accept the Eternal City and its throne. With this, I sacrifice who I am and what I own. I submit my past and those who define me to experience the life eternal, untimely. Que va-t-elle faire? Plutôt, qu'est-ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 2, entre deux. C'est une musique qui m'empêche de réfléchir. What is this music?
Matez-moi ça. Combien de temps s'est écoulé par rapport à tout à l'heure? Parce que là, il y a un petit peu de toile d'araignée, hein. Oh la vache! Ah, mais tout ça, c'est un peu cracraburk, hein, qui subit, hein. Mais attends, mais comment ça... Oula, comment ça marche, là? On peut allumer qu'une loupiote à la fois? Dad. Papa? Il m'a dessiné moi. Et on peut voir que le papounet avait du talent. Oui? Y a quelqu'un qui veut entrer? C'est pas le bon moment. On va y aller après. Bien fait. Oh, help me! Aide-moi! S'il te plaît, maman! Allez, enlève-toi! Stop! Peur ce feuilleton là. Ouais, j'adore me déplacer chez moi, toutes les lumières éteintes. Oula. On frappe à 7h. Ça me dit rien qui braille. Y'a personne. Y'a personne, n'insistez pas, je dors. Écoutez-moi. Mais je dors, j'ai dit. Laissez-moi dormir! Ferme-moi ça. Oula, il y a du brouillard dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ok, je me pointe! Attention! Je vous préviens, je suis énervé. Panique pas, Dorothea. Don't leave me, mommy. Gabriel, stop. Gabi, mon petit Gabi. Ah oui, je sais qu'on peut courir, mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir la loupiote. Alors, je peux me pencher comme ça. Si vous voyez que dalle, bah dites-vous que c'est pareil pour moi. Par là, c'est Kéblo. Punaise. C'est d'une noirceur, mon gars. Ah! Est-ce que je peux aller par là? Non. Je ne peux pas descendre, donc...
J'ai pas trop l'embarras du choix là. Pesky. Je sais pas ce qui se passe dans cet appart, mais ouais non. On va les laisser tranquilles. Ah, c'est moi qui faisais ça. Je peux pas la récupérer, la loupiote. Faut pas abuser, là. Je me rappelle plus si on avait une loupiote dans la démo. Ou peut-être qu'on va en récupérer une après. Vous voyez ou pas? Alors je sais, c'est très très noir, mais regardez là devant. Why are you doing this to me? Attention, je vais t'attraper! Mais je vois rien, hein. What monsters will you protect me from now? On a trouvé un lance-pierre. Yes! Mommy, I'm here. Je ne te vois pas. Won't even budge. This is looking worse and worse. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. C'est pas vrai. Saleté de courant d'air. Yes! On a une loupiote, mais comment ça marche? C'est 1. C'est 1 ou pas? J'appuie sur 1, ça marche pas. Attends. Anybody here? Ça marche pas! C'est pas 1 là et c'est pas 1 là. Oh nom de Dieu! Option! Commande, loupiote, loupiote, où c'est? Alors, tirer avec le lance-pierre, sauter, mais moi je veux la loupiote. La loupiote, c'est là. Et on va mettre ça en L. L comme lumière. Voilà! C'est type à beau. Tout à fait, ouais. C'est, ça me revient. Il va y avoir des bruits chelous. Ah, là, c'est ouvert. Et tout droit. Non. Il y a quelque chose de l'autre côté de la porte. Du coup, on est très très content que ce soit fermé à clé. Ceci n'est pas rassurant. Hein.
Mais que se passe-t-il ? Where did you bring me? Where is Gabriel? My child, you are on a road to a world where memories and emotions shape the realm. It is you who brought us here. Then why is Gabriel not here? Because he is trapped in the Eternal City. Powerful forces have imprisoned him in the monastery. Yet do not despair. You are still weak, but there are things that will help you. Approach the altar. I don't understand. This mask is your strength. It will guard you from sorrow. Put it on. If I do this, will I see my son? Yes, you will. This mask will protect you from the effect the city has upon its people. Comme quoi, on a bien fait d'avoir récupéré le lance-pierre, hein. Oula. Ah, impossible de faire marche arrière, ma seule chance de sauver Gabriel est d'entrer dans la cité éternelle. Intérêt de faire des conneries. Pop hop là et c'est good. On va au paradis ou quoi? Chapitre 3, Impie. Je me rappelle de cet endroit, mais hélas pour vous, les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et oui, hein, on va peut-être pas faire non plus une vidéo trop longue, hein, même si dernièrement, il m'est arrivé de faire des VOD d'une heure et demie, 1h45, voire 2h15, hein, comme sur FF16. Là, bon, c'est une découverte, et j'ai envie de te dire, si vous voulez voir la suite, eh bien vous me ferez savoir dans les commentaires. Et si je vois que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à réclamer une éventuelle suite, je me ferai un plaisir que de la faire. Mais là, on va stopper ici. Je sais pas ce qu'il en a été pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé les graphismes. Et bon, vu que je connaissais un petit peu de par la démo, il y avait, comment je pourrais dire, cette... peur qui était un peu moins marquante pour moi. Mais là on va arriver sur quelque chose de totalement nouveau. Et je me rappelle bien dans la démo, je m'étais arrêté, non pas à la fin de la démo, mais un petit peu avant, parce que j'avais pas envie de voir un petit peu le décor qui était en train de s'annoncer devant moi.
Mais moi, ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas tous les jours qu'on a des jeux d'horreur comme ça, aussi bien faits, surtout non faits par des gros trip, par des gros studios, des gros triple A. Ça, c'est des jeux que j'affectionne, hein, qui prennent des risques, et ce sont des jeux qui viennent de l'Est. Hein, y a beaucoup de jeux d'horreur qui viennent de l'Europe de l'Est. Ils savent s'y faire dans ce genre de game. Donc voilà, vous me direz, vous les amis, ce que vous en avez pensé de tout ça. Est-ce que ça vous a intrigué? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a donné envie d'en voir plus? Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'ambiance globale du jeu, tant sur le point visuel que sonore, au niveau de l'histoire, au niveau de, je sais pas, de cette quête d'une mère qui est prête à se sacrifier pour retrouver son fils? Et je trouve ça beau, mais est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'elle va réussir à retrouver son fils? Et si oui, comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment un sacrifice, genre je ramène mon fils à la vie dans le monde véritable et moi je resterai là dans la cité souterraine, dans cette cité éternelle? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je compte sur vous pour avoir vos retours. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air avant de partir, de partager la vidéo, de vous abonner si c'est pas déjà fait, tout en activant la petite cloche. Ciao, bye bye.